nous faire voir dans le creux de leurs émissions. Combien sont-ils à croire à la moindre rémission? Télévision égale énorme trou noir. L'actu c'est leur pouvoir, eh hey, n'attendez pas leur démission. Ils te parlent de cité, de mecs en train de dealer, mais derrière ils n'ont que faire de ceux qui sont en train de trimer. Ils ne veulent pas de controverse et ne croient pas que c'est qu'on reverse la moindre part de leur fonds de commerce. Ils ont monté la barre, histoire qu'ils sont rares à le sol. Ceux qui sont nés là-bas, ils en diront que c'est pas de bol, que c'est pas leur problème au final. Quand ils envoient leurs journalistes, c'est juste que pour eux l'audience est vitale. Ouvre les yeux, les bandes rivales sont une minorité. La vérité n'est pas sur W9. On y trouve des refs, des russes, des mecs calants, cause verlan, dans un argot bourré de talent. Alors c'est qui le cancre, hein? C'est toi, lui ou moi? Non, c'est eux, je pense. Alors dis-moi, pour toi, c'est qui le cancre? C'est toi, lui ou moi? Dis-moi, c'est qui le cancre? À terre, il y a de la vie dans nos cités. Des fleurs qui poussent dans le béton armé. De l'amour, de la diversité. Serons-nous un jour capables enfin de l'accepter? À terre, il y a de la vie dans nos cités. Des fleurs qui poussent dans le béton armé. De l'amour, de la diversité. Serons-nous un jour capables enfin de l'accepter? Y'a du talent dans nos cités, t'as qu'à mater la street culture. Un truc aussi fertile qu'un terrain d'agriculture. Mais les décennies sont dures. Regarde le tableau dépeint par ces cons. Le monde le voit comme une mauvaise peinture. Mais ouvre les yeux, bordel, les médias t'en sorcellent. Se moquent du sort de ceux et de celles qui osent se mettre en selle. C'est pas bien sympa de stigmatiser. Mieux vaut sortir de chez soi et faire l'effort de sympathiser. À la télé, l'impartialité est négligée par l'objectif. Leurs caméras ne proposent que des clichés. Rares sont les émissions sur les MJC. Ils préfèrent aborder le sujet de l'insécurité. Vivier de talent donc, remballe ta langue. Arrêtez de juger car ça devient trop saoulant à la langue. J'ose espérer qu'après ce morceau vous ouvrirez les yeux. Doit-on juger un homme à sa provenance ou même à son milieu? De l'accepter. On croit que les politiques dans nos quartiers c'est la guerre. Si la violence existe, ne vois-tu pas qu'ils exagèrent? Leurs médias nous manipulent, nous parlent de l'enfer quand de trois jeunes paumés trafiquent la misère. Et si j'entends qu'aujourd'hui dans les ghettos c'est la galère, c'est que leur expulsion sociale rentrait pas dans les charters. Enlève tes œillères, cesse de penser comme hier. Je ne supporte plus l'odeur de tes relents réactionnaires. Assez, nous sommes lassés, fatigués de voir des fachos en cravate passer à la télé. Marianne pleure quand elle les entend parler d'identité nationale que Omar aurait tué. Assez, 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 il y a de la vie dans nos cités. Des fleurs qui poussent dans le béton armé. De l'amour, de la diversité. Serons-nous un jour capables enfin de l'accepter? Assez, il y a de la vie dans nos cités. Des fleurs qui poussent dans le béton armé. De l'amour, de la diversité. Serons-nous un jour capables enfin de l'accepter? De la diversité, de la diversité. De l'amour, de l'amitié, de la diversité.